Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. J'ai choisi la chanson de Bourvil pour cet album. Alors, moi, ça, c'est une histoire un peu personnelle. C'était une chanson que me chantait mon grand-père. Et du coup, j'ai eu, en l'écoutant un jour et en gribouillant en même temps, j'ai eu envie d'illustrer la chanson. Je trouvais que ça ferait un joli album pour les enfants. Ou pas pour les enfants, d'ailleurs, aussi. D'accord. Et donc, l'exposition, là, reprend quelques planches de l'album, c'est ça? C'est ça, une quinzaine à peu près. Donc, c'est à peu près la moitié du livre. D'accord. Dans quel esprit l'exposition s'est construite? Alors, je crois que la médiathèque a des thèmes, en fait, qui dirigent les expositions ou les animations, et que le thème, là, c'était l'amour. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'album de la tendresse. D'accord. Et vous, comment vous présentez cette exposition quand on... Dans quelle démarche vous la... Alors, en général, elle va avec des ateliers, justement, qui accueillent des enfants, donc que ce soit des scolaires ou des tout public en atelier. C'est un petit peu pour montrer les illustrations originales d'un album, justement, voir ce qu'il y a derrière un livre, en fait. Et puis là, c'est l'occasion, justement, d'en parler avec les enfants, de leur demander ce que ça évoque pour eux. Parler plus de l'illustration, du coup, de la façon de s'approprier un texte et de le mettre en image. Ok. Et justement, vous animez un atelier, là, bientôt, à Lormont, sur le même thème? Oui, alors avec le tout public, c'est le 18 février. Et c'est un atelier qui va porter uniquement sur l'album? C'est un petit atelier d'illustration. Ce sera à la manière de l'album, reconstituer une petite scène de tendresse, alors que ce soit avec un ami, un parent, un enfant, enfin voilà, c'est comme on veut. Et puis c'est un atelier aussi, on fabrique une petite fleur rouge qui est le petit symbole de la tendresse dans tout l'album, pour offrir avec le dessin, voilà. Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.